On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Rachel Clermont, mécanicienne, garagiste. Elle a eu une certaine malchance au cours de l'hiver, donc son local a vécu, disons, un certain sinistre. Elle s'est relocalisée, elle a maintenant une employée et même elle tient une activité bénéfice au profit de coffres qui militent notamment pour les métiers non traditionnels. Mais d'abord, parlons d'un match d'impro qui se tient ce vendredi. C'est une levée de fonds pour le petit Édouard Boutin et on reçoit à l'instant sa maman qui va nous parler de ce syndrome extrêmement rare. Il est atteint d'une maladie orpheline. On la reçoit à l'instant. Match d'improvisation présenté ce vendredi 30 mai au complexe Sport Absolu, en fait à l'auditorium qu'on retrouve du côté du Collège militaire royal Saint-Jean. C'est une levée de fonds pour le petit Édouard Boutin qui est âgé de 6 ans. C'est un match d'impro dans lequel on aura évidemment quelques têtes d'affiche. Charles Lafortune, Sylvie Moreau, Réal Bossé, Marie-Soleil Dion, de même que Salomé Corbeau. Pour nous en parler, la maman du petit Édouard, Marie-Claude Audet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Évidemment, j'ai entendu parler de vous. Je vous ai vu à quelques occasions pour parler de votre fils qui a 6 ans, qui est atteint d'un syndrome, le syndrome d'Opitz-C. Oui, c'est ça. Là, il faut évidemment démystifier. Qu'est-ce que c'est comme syndrome? C'est un syndrome très rare. C'est une maladie orpheline. Et en fait, on est le seul cas au Canada. Donc, au Canada? Oui, Édouard est tout seul au Canada de sa race. Il y a 40 cas dans le monde entier. Puis le syndrome d'Opitz-C, en fait, ce que ça cause, c'est un retard global de développement, mais très important. Et ce que ça cause aussi, c'est qu'à la naissance, les enfants naissent avec une trigonocéphalie. C'est-à-dire? Ça, c'est-à-dire, c'est une suture précoce de l'os ici. Donc, il est né avec une petite tête de clingon. Nous, au début, on a trouvé ça un petit peu drôle, là, mais c'était pas drôle. Donc, à un an, ils ont refait la tête pour que le cerveau puisse prendre de l'expansion. Bon. À quel moment? Est-ce que vous aviez des enfants auparavant? Non, c'est votre premier. Bon. Oui. Est-ce que vous en avez eu depuis? Non, ça va. On va laisser faire. Ah oui? Ben, c'est beaucoup de boulot. Fait que, je présume. À quel moment on s'en rend compte? À la naissance. À la naissance, directement, pourquoi? Bien, justement à cause de la forme du crâne. C'était pas typique. Donc là, tout de suite, moi j'ai accouché à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils nous ont envoyé tout de suite à Sainte-Justine. Puis ça a pris 2 ans avant qu'on arrive au diagnostic, vu que c'est un cas tellement rare. Ça, le 0-2 ans, il doit être interminable pour des parents. C'est difficile. Ne pas savoir. Ouais. Ne pas savoir, c'est la pire chose. Parce qu'on veut, on cherche la cause, puis on a tendance à se blâmer. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui porte le gène déficient? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un syndrome? Parce qu'il y a, une distinction à faire. Une maladie, c'est quelque chose qu'on peut peut-être trouver une cure. Un syndrome, c'est un état. C'est comme l'Oregon aux États-Unis, ça reste l'Oregon. Fait que là, quand on a enfin su, il y a comme une paix qui s'installe, puis tu vis avec. Tu arrêtes de chercher parce que tu essaies de trouver toi-même le diagnostic. C'est ça. Okay. Et qu'est-ce qui fait que c'est aussi long, le 0-2 ans? Est-ce que les médecins explorent toutes sortes de pistes? Ouais, ouais. Est-ce qu'on se fait des scénarios catastrophes? Je veux dire, on vit toutes les émotions qu'on peut vivre. Puis ce qui est difficile, c'est que par-dessus ça, ils nous planifient une opération à l'âge d'un an. Donc là, tu ne sais même pas à quoi t'attendre parce que tu sais, c'est quand même une opération de 12 heures dans le crâne. Donc là, tu vis là, dans les dédales de l'horreur, je dirais. Ouais. Puis la génétique, c'est très long avant de trouver. Comme le syndrome de Opitz-C contient 36 critères. Édouard ne correspond qu'à 13 critères sur 36. Donc, il n'est peut-être même pas un Opitz-C. Il pourrait être un Opitz-E. Quand on met une lettre à la fin d'un type de syndrome, ça veut dire que c'est le nom de la première personne qui l'a eu. Donc, peut-être qu'Édouard est un Opitz-E. Donc, vous l'avez su officiellement à l'âge de 2 ans. Ouais, il a maintenant 6 ans. Ouais. À quoi ressemble son évolution par rapport à un enfant dit normal? OK. C'est difficile à établir. En fait, ce qui l'a arrêté le plus dans sa vie en ce moment, c'est qu'il a fait une épilepsie très sévère. Donc, Édouard faisait une absence aux 4 minutes depuis les 2 dernières années. Quand je parle d'une absence épileptique, là, c'est pas les crises... On appelle ça des crises tonico-cloniques par terre, là, celles qu'on voit, t'sais, puis dont on a peur. Édouard, c'est des absences. Il venait bleu aux 4 minutes. Fait que ça veut dire qu'il pouvait apprendre, par exemple, à tenir un crayon, mais dans 4 minutes, il partait 15 secondes, il oubliait qu'il tenait le crayon. Donc, il fallait tout réapprendre. C'est un peu la mémoire d'un poisson rouge. Ce qu'on a réussi à faire enfin, c'est de contrôler l'épilepsie à 100% depuis février 2014. Et là, c'est une évolution. Oui, 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 oui. Nous, on vient de revivre. Là, c'est incroyable. Là, mon fils, en ce moment, il a 6 ans, il est peut-être à 1 an d'évolution psychomoteur. Là, il marche à 4 pattes, il commence à grimper sur les meubles. Il commence, on dirait, à me répondre. Mais avant, c'était pas un manque de volonté
de fonctionner, c'était une incapacité. Il marche? Non, il marche pas. Il ne marche pas? Non. Est-ce qu'il se nourrit par lui-même? Non. Non plus? Bien, il faut le nourrir. Là, il est en train d'apprendre, ses ustensiles. Qu'est-ce qu'on sait? Vous avez probablement étudié la question, mais les jeunes qui ont ce syndrome-là, qui ont 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, je veux dire, c'est quoi le portrait? Qu'est-ce qui l'attend ou qu'est-ce qui vous attend aussi comme parent pour les années à venir? Ce qui est intéressant avec le syndrome qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de pronostic. Ils sont tous différents. Il y a beau en avoir peut-être une quarantaine, personne n'a le même modèle. Donc, il y en a qui vont être propres, par exemple, à 11 ans. D'autres qui vont marcher à 18 ans. Mais il progresse sans arrêt. Ça, c'est quelque chose qui nous encourage beaucoup. Puis on le voit au quotidien avec Édouard. Il fait toujours quelque chose de nouveau, si minime soit-il. Tu sais, c'est quelque chose de très difficile à déceler. Mais moi, je le vois tout de suite. Donc, en espérance de vie, c'est la même chose que tout le monde. Tu sais, nous, on peut mourir d'un accident d'auto aussi demain. Tu sais, je veux dire, on ne s'inquiète pas de ça. Mais il peut marcher, il peut parler, il peut tout faire. Il faut juste que ça se branche. T'sais, c'est comme quelque chose qui atteint un peu le cerveau. T'sais, on a des chemins. Nous, les chemins sont directs. Ça va de A à B. Édouard, ça fait toutes les lettres de l'alphabet avant de se rendre. Comme parent, on a souvent le syndrome de l'enfant parfait. Là. Ça, c'est un autre syndrome. Hein. Comment on se conforte à dire, bien, voici, moi, la vie a décidé que j'allais avoir un enfant handicapé, atteint d'un syndrome extrêmement rare. Vous dites vous-même que vous n'aurez probablement plus d'autres enfants. C'est votre décision, puis c'est correct. Puis souvent, ce qui trotte dans la tête des parents, c'est qu'ils vont dire, oui, mais là, quand moi, je ne serai plus là, qui va s'occuper de lui? Vous n'êtes peut-être pas rendu là dans votre tête, là, mais comment vous vivez avec tout ça comme parent? On vit bien. Pour vrai, là, ça a l'air spécial à dire. Je sais qu'il y a des parents qui ont de la difficulté à accepter leurs enfants, tout ça. Je peux pas dire que d'emblée, j'étais contente. Là. Tu ne fais pas un party de champagne quand tu apprends que ton enfant a un syndrome qui est handicapé à la vie, là, parce qu'on parle pas de 2-3 jours. Mais moi, j'ai beaucoup d'humour. C'est comme un de mes traits de caractère. Je suis super énergique. Donc, c'est quelque chose que j'ai utilisé. Moi, je me suis dit, OK, bonhomme, tu es différent. On va en rire, puis on va travailler sur toi. T'sais? Fait que j'ai jamais travaillé. Je suis restée avec mon gars. Puis je me suis dit, moi, je vais être ton coach dans toutes tes sphères. Fait que je suis devenue physio, ergo, orthophoniste, infirmière, médecin. Puis c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aurais pas pensé, parce que j'ai des études, j'aurais pu avoir une carrière, mais j'adore mon Donc, vous avez cessé de travailler? Complètement. Vous étiez dans quel domaine auparavant? Moi, j'ai fait des animations en bande dessinée dans les écoles primaires. C'était mon métier que je m'étais créé parce que j'avais une maîtrise en littérature. Je pouvais être prof au cégep, mais j'aimais... Bien, c'est pas que j'aime pas les jeunes, mais j'étais trop énervée pour être devant une classe de cégep. Donc, je fit plus avec les enfants. Ce qui fait qu'avec Édouard, c'est complètement génial parce que c'est un enfant qui est comme né sans logiciel. Il n'y avait aucune fonction de base. Il faut tout lui montrer. Et ça, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Moi, répéter 120 fois, puis crier, puis jouer, c'est quelque chose que j'ai fait. Fait que, tu sais, comme un exemple, il dépliait pas ses bras pendant 2 ans. Il avait les bras comme ça, comme un boxeur. Mais à chaque jour, c'était ouvre le pouce, tous les doigts. On ouvre les mains, on baisse les bras. Ça remonte. Mais là, il le fait maintenant et il est correct. Avez-vous besoin de répit? Avez-vous du répit? C'est la chose qu'on n'a pas. Au Québec, on appelle ça un mot qui n'existe pas là, pour les parents d'enfants handicapés, surtout quand on a un enfant qui est atypique. Moi, il ne correspond pas au TED. Là. En ce moment, les TED, les troubles d'envahissement du développement. Il n'est pas TED, il n'est pas autiste, il n'est pas paralysé cérébral, il n'est pas cancéreux. Tant mieux, parce qu'il y a des choses plus lourdes, sauf que... mais il ne rentre dans aucune case. Donc, quand moi, je veux du répit, il faut que je paye une gardienne spécialisée. On s'entend que ce n'est pas 3 $ de l'heure. Ou des centres de répit, mais encore là, il n'est pas accepté partout. Parce qu'il y a des centres de répit qui me disent qu'il n'est pas assez lourd. Bien, c'est ça. Puis moi, ma famille n'est pas dans la région, donc c'est du travail en solo. Là, vous habitez à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 6 ans, mais originalement de l'Estrie. Oui, c'est ça. Puis c'est un choix de vie. On aime beaucoup la région, on a des amis, mais Votre conjoint travaille dans la région ou à Montréal? Mon conjoint travaille partout, il est représentant sur la route. Mais on a des amis, sauf que nos amis ont notre âge, donc ils ont des enfants. Donc le répit, c'est pas évident. Bon, à quel moment avez-vous eu l'idée donc d'avoir une levée de fonds? Là, on parle d'un match d'impro. Ouais. L'équipe étoile de la pantouflerie versus les joueurs de la LNI. Qu'est-ce que c'est? La pantouflerie, c'est les jeunes de l'école polyvalente Armand-Racicot à Saint-Jean. L'idée, c'est pas venu de moi du tout. C'est moi, pour gagner ma vie depuis 6 ans, mais en fait, je faisais ça avant aussi, je fais des quiz télé. Je suis une bébite à quiz. J'aime les shows de télé, ça me dérange pas, je suis pas gênée. Et ça va chercher mon intellectuel que je laisse dans le tiroir avec mon fils. Puis, j'ai rencontré Réal Bossé sur un plateau de tournage pour une émission. Puis, lui, il me trouvait drôle parce que mon fils, il dormait pas depuis 4 nuits. Je faisais 5 émissions en ligne.
Puis je perdais, puis j'en riais parce que ça servait à rien d'essayer de combattre le malheur. À un moment donné, c'est comme, regarde, je vais perdre, puis je vais être heureuse parce que mon fils est encore en vie. Mais je savais que je rentrais à la maison, puis je repartais à l'hôpital. Donc lui, il m'a dit, je vais tellement t'aider. Puis j'ai dit, ben oui, tu sais, quand une vedette de cet acabit-là t'a dit, je vais t'aider, tu te dis, mais oui. Okay. Réal m'a dit, je vais t'organiser une levée de fonds avec la LNI. Il dit, fais juste trouver ta salle, ton monde, puis ton public. Fait que j'ai fait ça l'an passé. Cette année, il m'a rappelé, et moi, je ne croyais pas la refaire parce que ça a été une année très, très difficile avec Édouard. Donc, j'étais très fatiguée parce que moi, je m'organise toute seule. Là. Je fais toute l'organisation de A à Z. Puis, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu la veux encore à la levée de fonds? Et je n'ai pas pu dire non. On comprend qu'un enfant handicapé, ça coûte cher. Ouais. C'est ça. Puis, le gouvernement a beau faire ce qu'il peut. Tu sais, oui, on a accès, comme les poussettes ou les appareils physiques sont payés par la RAMQ. Mais adapter une maison, ça coûte pas 2000 $ admettons. Puis adapter une minivan, il a fallu s'acheter un véhicule. T'sais, puis nous, on a toujours eu espoir qu'Édouard, il marcherait à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Là, il a 6 ans, il ne marche pas encore. Fait faut aller au-delà de lui, ce qu'on n'a jamais fait avant. Là, il faut prévoir. On est là-dedans. Donc, c'est 20 $ du billet. Oui. C'est ce vendredi, donc demain, vendredi le 30 mai à 19h30, à l'auditorium du Collège militaire royal, en fait, le complexe Sport Absolu. Donc, on parle de Réal Bossé, bien sûr, Sylvie Moreau, Charles Lafortune, Marie-Soleil Dion, là, qu'on voit dans Vrac la vie, et Salomé Corbeau, là, qui joue dans Unité 9, entre autres. Et donc, avec tout ça, vous souhaitez évidemment être capable de ramasser des sous pour subvenir à certains besoins particuliers. Oui, bien c'est ça. L'année passée, on a pu acheter la minivan, puis cette année, on ramasse les sous pour adapter la maison. Parce que ça a l'air étrange, là, mais... On n'achète pas une maison en fonction de son enfant. Quand il naît, on pense qu'il va marcher. Donc là, quand on se retrouve avec un salon au sous-sol, bien, on ne peut plus l'emmener. À 6 ans, il est vraiment très lourd. J'ai beau être forte, mais j'ai des limites. Ouais. Puis lui, il continue de grandir. Donc voilà, on est là. Est-ce que Édouard fréquente ou va fréquenter Marie-Rivière ou une autre école? Oui, ou... il a commencé la maternelle en septembre. À Marie-Rivière? Oui, à Marie-Rivière, puis il va y aller jusqu'à ses 21 ans. Mais c'est génial. Moi, c'est une école, je passerai mes journées là. J'ai aucune peur de laisser. Donc, dans le fond, vous, votre moment de répit... C'est quand il est à l'école. C'est quand il est à l'école. Mais c'est quand il l'est, parce qu'il attrape les virus, puis quand Édouard attrape un virus, ça ne dure pas 2 jours. C'est... Ah oui, c'est plus long. Puis vu que c'est... Quand on a un enfant non-verbal, qui ne parle pas, mais s'il a mal au nez, il peut me gratter l'oreille. Donc, quand il pleure, je ne sais pas pourquoi il pleure. Même si je le connais, bien, on se ramasse à l'hôpital. Puis là, on fait des examens, on ne trouve pas. Puis finalement, ça peut être banal comme « j'ai faim, maman », mais on ne le sait pas. Donc, c'est ça. C'est très imprévisible. Je ne pourrais pas me trouver un emploi qui serait permanent. Je n'aurais pas un employeur qui m'apprécierait. Match d'improvisation, donc, ce vendredi. Donc, demain, une levée de fonds pour Édouard Boutin, qui est atteint du syndrome d'Opitz-C, peut-être E, avez-vous dit un peu plus tôt dans l'entrevue. En tout cas, vous êtes bien courageuse. Bien, merci. Félicitations. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Les billets sont en vente à la librairie moderne. Je précise, parce qu'il y a des gens qui sont... Sur séminaire? Oui, sur séminaire. C'est plus facile pour moi que d'aller vous les livrer à la maison. Est-ce que sur place, il y en aura en vente? Sur place, il y en aura en vente s'il en reste. Oui, c'est ça. Okay. Sinon, entre-temps, donc, allez à la librairie moderne sur séminaire pour les acheter. De toute façon, durant l'entrevue, il y avait le numéro de téléphone votre adresse courriel qui est inscrit au bas d'écran. Parfait. Bien, bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle aussi d'une activité qui se tient ce samedi. C'est un lavoto au profit de coffres. Lavoto exceptionnel ce samedi 31 mai. Les fonds seront récoltés et versés donc à Coffre Saint-Jean. Vous savez, on l'avait reçue il y a un certain temps parce qu'elle avait remporté un prix. Elle est un peu dans les métiers non traditionnels. C'est une garagiste, Rachel Clermont. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mécanicienne, garagiste, en fait, on peut sortir tous les termes. Quand on s'était vu, c'était quoi le prix que tu avais remporté au juste? C'était le prix exceptionnel avec Coffre Saint-Jean. En fait, ça avait été organisé par Coffre. Puis, c'est ça, je l'avais remporté avec Mme Turcot aussi.
qui travaillait chez Bourassa, Transport Bourassa. Oui, exactement. Bon. Ça fait quoi, un an de ça? Bientôt, hein. Bientôt un an. Et à l'époque, quand on s'était vu, donc tu venais là, de te lancer en affaires avec ton entreprise, Rachel Pneumécanique, située sur la rue Saint-Jacques. Un an s'est écoulé. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière année? Est-ce que c'est facile se partir en affaires? Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme puis qu'on fait de la mécanique? Bref, comment as-tu vécu ta dernière année? Oh, ma dernière année, ça a été un peu difficile, en fait, parce que j'ai eu un sinistre. En fait, au départ, ça allait bien, oui. Tout s'est bien déroulé pendant un an. Là, j'ai eu ma clientèle qui s'était formée, puis c'est ça, j'ai établi un bon lien de confiance avec ma clientèle. Puis j'ai eu un sinistre en décembre, donc juste avant les fêtes, c'est arrivé. Puis c'est quoi, ça passe au feu, ça? Non, en fait, il y a eu un effondrement de toit. Oh. Ouais. Puis une fuite de gaz naturel. Puis, là où tu étais? Oui, où j'étais. Là. J'ai découvert par hasard un dimanche en passant... au garage, oui. En fait, mon local, il était, ça paraissait pas vraiment sur le coup. Là, je m'en étais pas rendu compte parce qu'il n'y avait qu'une poussière un peu partout. Puis il y avait une odeur vraiment forte. Là. Je me questionnais qu'est-ce que ça en était. J'ai fait le tour. Puis finalement, c'est ça. J'ai averti le propriétaire de la bâtisse parce que je suis locataire. J'étais locataire à cet endroit-là. Et puis, ça a été une fuite de gaz naturel, puis le toit de l'autre côté, il y avait une buanderie. Là. C'est eux que ça a vraiment, littéralement, là, le plafond. Donc là, ça t'a mis hors service pendant combien de temps? Écoutez, je viens de redémarrer, ça fait environ un mois. Ça fait depuis le 1er mai que j'ai mon local sur la rue Saint-Jacques, un petit peu plus haut. Là. Parce que là, avant ça, tu étais sur Saint-Jacques, presque à la jonction de des carrières. Oui, juste avant le Y. Là, bon, juste avant. Et là, maintenant, tu es au 370. C'est à quel endroit, à peu près? C'est juste à côté de RBL Climatisation. Okay. C'est juste avant la traque de chemin de fer, là, où la rue commence à être one-way. Donc, c'est à droite. OK, donc on est dans la partie Saint-Jacques, plus centre-ville. Oui, juste avant, juste tout de suite après séminaire, au coin Cousin. Donc, entre séminaire et Cousin. Oui, exactement. OK, donc sur Saint-Jacques, entre séminaire et Cousin, là, je situe un peu plus l'endroit. Donc dans le fond, tu as été fermé pendant quoi? 4 mois à peu près, c'est ça? 4 mois. Là, tu as trouvé ce local-là. Quand on est un jeune entrepreneur, puis que là, il nous arrive, comme on dit, une bad luck, là, une malchance, puis là, il faut repartir. Comment as-tu vécu les 4 derniers mois? Ouf! Ça a été... moi, je me suis sentie un peu laissée à moi-même là, dans cette histoire-là. Puis, je n'avais jamais vécu de sinistre dans ma vie personnelle ou encore moins au travail. Là. Ouais. Fait que ça a été une expérience de vie là, qui a été quand même quelque chose. Mais j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau. Puis, il faut se retrousser les manches. Puis, c'est comme si j'aurais recommencé... un peu, mais au moins j'avais ma clientèle puis l'équipement. Mais c'est vraiment, là, ça a été de recommencer. Ouais, c'est un coup à donner. Bon. Là, maintenant, tu as pu embaucher une employée supplémentaire, c'est ça? Oui. En fait, au départ, j'étais toute seule. Je gérais pas mal tout toute seule. Puis c'est épuisant beaucoup. Puis je me suis rendu compte que j'avais la possibilité d'avoir une employée avec moi. Là, pour travailler. Bon. Employé que tu as pu obtenir quoi via Emploi Québec? Oui, exactement. En fait, en tant que moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai fait affaire avec le CLD de Saint-Jean qui m'ont épaulé au niveau de monter mon plan d'affaires. Mm-hmm. Fait que ça a été ça. J'ai eu des agents d'entrepreneuriat. Puis en discutant avec eux autres, je parlais justement que je voulais probablement embaucher quelqu'un. Puis ils m'ont parlé d'une subvention salariale, qu'il y avait des possibilités. Ah ouais. Puis ça prenait quelqu'un qui était éligible. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui était éligible. Donc ça prenait une personne qui est admissible. Puis toi aussi, comme commerçante, tu l'étais? Oui, exactement. Ah ouais. Fait que là, ça a pris ces deux éléments-là. Puis on est allé de l'avant. Puis, ça, c'est pour une durée déterminée ou… Oui, c'est… je me souviens pas, je pense que c'est 36 semaines. OK, mais quand même. Mais sauf que ça peut donner un bon coup de pouce. Pour démarrer, je redémarre, on peut dire. Là, ouais. C'est comme un second commencement. Mais ça va bien aller. Bon. Rappelle-nous un peu ton cheminement. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée donc comme mécanicienne? Mon cheminement, ça a parti… en fait, j'avais pas vraiment d'emploi que j'aimais en tant que telle. Là, tu sais, j'étais un peu en recherche de moi. Là. Ça a donné que j'ai eu des amis mécaniciens
Puis, j'ai commencé à venir beaucoup avec eux autres, puis aller voir travailler. Puis, je voyais ça, je voulais m'impliquer. Fait que je posais beaucoup de questions. Je leur demandais quel nom de pièce, où est-ce que ça va, est-ce que je peux t'aider. Que j'ai commencé comme ça, puis tranquillement, en faisant, j'ai vraiment pris de l'intérêt pour ça. Puis, j'ai considéré aller faire un DEP en mécanique, sans trop savoir dans quoi que je m'embarquais, là. Fait que je me suis inscrite. Puis, j'ai commencé à faire mon... J'ai été acceptée. J'ai fait les démarches. Au départ, il y a des entrevues, puis il y a certains des épreuves de qualification. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Quand j'ai Donc, fait t'avais ça... Donc, tu avais fait ça ici, à Saint-Jean? À l'EPM, oui. À l'École des métiers. Exactement. Et est-ce que tu étais la seule fille dans le groupe? Non, on était 4 sur 22 à l'époque. Ah, quand ouais. même! Bon, on est deux qui ont terminé le DEP. Puis, c'est ça. Moi, on était quand même... C'était la première fois qu'il y avait un groupe avec autant de filles en mécanique, oui. Et parle-nous de l'implication de Coffre au travers de ça, parce que Coffre, c'est un organisme qui offre dans les métiers non traditionnels depuis plusieurs années, qui en fait la promotion. C'était quoi l'implication de Coffre dans ta carrière à toi? Moi, personnellement, en fait, c'est que j'avais remporté le concours exceptionnel. Mm-hmm. Puis, ça m'avait donné une belle visibilité. Puis, ben c'est ça. Moi, avec Caroline Deschênes, dans le fond, c'est la personne contact que j'avais chez Coffre. Ça a été une tape dans le dos quand j'ai remporté le prix, en fait. Ça a vraiment été une tape dans le dos, un encouragement. Puis, moi, ça l'a signifié beaucoup de voir qu'il y avait des gens qui étaient là pour nous épauler puis pour souligner le fait qu'on est dans un métier non traditionnel. Puis, j'ai toujours voulu... faire quelque chose en échange, dans le fond, donner au suivant un peu, ouais. là. Fait que c'est ça. Fait que j'en ai l'occasion. Puis c'est pour ça que l'idée du Lavoto pour Coffre m'est venue, dans le fond, en tête, là. Puis j'ai parlé avec Mme Deschênes, justement, du projet, qui en a parlé avec son équipe, puis ils ont accepté, c'est certain, là, de... Dans le fond, le lave-auto qu'on voulait faire pour eux. Donc, lave-auto exceptionnel-le, non? Oui, non, un L. C'est un lave-auto quand même. Ouais. Samedi le 31 mai, donc c'est ce samedi. Les fonds récoltés, donc versés à Coffre Saint-Jean. Une petite voiture, 5 $, un camion, c'est 8 $. C'est de quelle heure à quelle heure? Nous, on va être là vers 9 h pour commencer les installations, mais ça va probablement être de 10 h à 5 h le soir. Puis, on va avoir un petit DJ sur place. Puis, on va essayer de mettre un petit peu d'animation en même temps pour attirer le plus de gens possible. Donc, de 10 à 17 heures à ton local du 370 rue Saint-Jacques? Exactement. Bon, donc sur la rue Saint-Jacques, près du chemin de fer, donc entre Séminaire et Cousins, je le rappelle. C'est en fait l'ancien garage de Nos-Lorraine, pour les plus vieux d'entre nous. Là. Quel type de mécanique tu fais? Générale. Vraiment la mécanique générale, là, l'entretien, les freins, les silencieux, changement d'huile, les pneus. De tout. J'ai fait des gasquettes de tête, je fais des timing belts, tout ce qu'on a besoin de faire sur une voiture. Je pense que la seule chose que personnellement je ne ferais pas, c'est ouvrir peut-être une transmission qui va être automatique. Parce que côté temps, tu sais, je suis toute seule ou j'ai une employée, fait que ça dépend. Ça mobilise beaucoup d'heures sur le. Oui, puis le les lift. Formations pour ça, mais ben c'est ça. J'aime mieux, par contre, je fais de la sous-traitance. Là, j'ai d'autres garages avec qui que je fais affaire qu'en rebuild. Fait que, oui, exactement. Et c'est qui ta clientèle? C'est du bouche à oreille, beaucoup de bouche à oreille, des gens qui sont satisfaits, dans le fond, des services, qui ont confiance en moi. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est comme. Mes clients, je les connais. C'est rare que je ne connaîtrais pas quelqu'un. Si je ne le connais pas, je vais même lui demander d'où il a entendu parler de moi. Parce que c'est beaucoup, comme que je dis, du bouche à oreille, puis c'est beaucoup le lien de confiance. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y a des clients qui se présentent au garage sans trop savoir où ils sont, puis ils tombent sur toi, puis est-ce qu'ils se questionnent? Est-ce que ça arrive? Oui, c'est arrivé. En fait, c'est ça, les affiches là, sont en cours de. Est-ce qu'il y en a qui arrivent et disent j'aimerais parler au mécanicien? Là, vous dites, bien, c'est moi. Oui, en fait, au téléphone, surtout. Okay. Mais oui, c'est déjà arrivé. OK. C'est quoi la réaction des gens? Les gens sont surpris, mais en même temps, avec le nom du garage, j'ai fait exprès pour choisir Rachel Pneumécanique, justement pour essayer de me distinguer. Clair, c'est ça. Ouais, exactement. On joue pas sur les mots là. Non. C'est clair.
Mais il y en a qui pensent qu'ils entendent des fois Rachid. Non, non, c'est Rachel. C'est pas Rachid mécanique, c'est Rachel. Exactement. Donc, 370 rue Saint-Jacques, entre Séminaire et Cousins. Entre autres, une activité au profit de coffres en fin de semaine. Donc, ce samedi, de 10 à 17 heures, un lavoto, bien sûr. Et donc, et en plus, là, avec la malchance que tu as connue avec le sinistre à l'ancien garage, là, disons que... Mais c'est souvent dans les épreuves que... qu'on s'en sort et qu'on en sort un peu plus fort. Oui, bien, je ne sais pas avec le recul comment tu vis avec ça. Là, ça va mieux. Là. Bien, c'est sûr que sur le coup, c'est bien dur. Là. C'est comme mon bébé, dans le fond, mon garage. Là. Fait que de l'avoir pas perdu, mais pendant un bout de temps, d'en être privé. Parce que je ne pouvais plus mettre les pieds dans le garage. C'était dangereux. Ouais. Fait que, mais là, ça va mieux. Puis faut, on se retrousse les manches. Rachel, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on vous présente notre babillard quotidien. Comme plusieurs villes au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu va participer le samedi 7 juin à la fête des voisins. Si ça vous intéresse, vous avez l'adresse Internet au bas de l'écran. À chaque semaine, on vous présente notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu, qui résume les travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire qui est affichée en ce moment et vous pouvez la retrouver également sur notre site Internet. Tous les dimanches matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo 3 500 $ en prix, notamment la carte pleine à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire qu'on dessert, principalement les MRC au Richelieu, Rouville, également secteur de Farnham, de Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu. Également vous dire que Télévision du Richelieu est située en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Vous avez nos coordonnées. Ça va faire bientôt un an qu'on est déménagé. Également, vous pouvez me joindre directement par courriel. Éric Latour, à commercial.tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Les entrevues sont en format YouTube. À demain. Bye-bye.